Suite à l'effondrement de nombreux immeubles dans le district d'Abidjan, des entrepreneurs professionnels du bâtiment ont mené des enquêtes sur les sites sinistrés. Et ces enquêtes révèlent l'usage de faux matériaux dans la construction de ces bâtiments. Le département de Vavoie, appartenant à l'ex-zone CNO lors de la crise ivoirienne, a retrouvé aujourd'hui la normalité et l'autorité de l'État. L'administration fonctionne, mais que de problèmes de structure pour accueillir ses agents. La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Ben Souda, a décidé hier vendredi d'ouvrir un examen préliminaire sur des crimes commis en Centrafrique depuis septembre 2012, date de la création de la CELECA. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Dans l'actualité ivoirienne, suite à l'effondrement de nombreux immeubles dans le district d'Abidjan, des entrepreneurs professionnels du bâtiment ont mené des enquêtes sur les sites sinistrés et ces enquêtes révèlent l'usage de faux matériaux dans la construction de ces bâtiments. Patricia Omou Etia. 5 édifices écroulés en moins d'un an dans le district d'Abidjan. Le dernier en date, l'effondrement d'un immeuble de 4 étages à Yopougon, Maroc, le 7 janvier 2014. Des chutes en cascade qui ont fait un mort et de nombreux blessés. Après cette série d'effondrements, les raisons ne sont toujours pas élucidées. Des professionnels membres de la Centrale syndicale nationale des entrepreneurs du bâtiment et travaux publics de Côte d'Ivoire, après une visite des différents sites sinistrés, mettent en cause l'amateurisme des constructeurs. Les causes des différents effondrements sont dues par le manque de contrôle des matériaux de construction, et principalement que le fer à béton. Le fer à béton parce que cette armature, que c'est ça qui donne la résistance à un bâtiment. Et ensuite, le manque de contrôle du sol, qui est là, qu'il n'y a pas de sondage du sol avant de commencer à construire ces immeubles. Et le respect des dosages concernant les matériaux de construction, rien n'est vérifié. Études préalables, qualité de matériaux, des éléments difficiles à vérifier pour le commun des mortels, d'où la recommandation de ces techniciens. Désormais, qu'il y ait un mandat même spécial pour le ministère de la Construction de veiller que sur les travaux privés et des particuliers, et aussi qu'un cabinet privé qui doit être mis en place avec tous les acteurs du bâtiment et des travaux publics, pour que vraiment qu'on trouve une œuvre bien bâtie. Pour l'heure, le Cinébassi souhaite que le ministère de la Construction jette un regard sur les ouvrages en cours de réalisation pour s'assurer du respect des normes. Les autorités municipales d'Adjamé veulent assainir les trottoirs du boulevard Nangua-Brogoua. Un dégarpissement est prévu lundi prochain, 10 février, nous dit Grace Kando. Les commerçants installés de façon anarchique tout le long du boulevard Nangua-Brogoua dans la commune d'Adjamé seront déguerpis. Lundi 10 février est la date retenue pour cette opération. L'objectif, selon le deuxième adjoint au maire de la commune Abou Fané, donner à Adjamé un nouveau visage. On a décidé de prendre les troupes à la corne, de prendre nos responsabilités, c'est-à-dire assainir notre commune. Donc ça va commencer par quoi? Par le boulevard Nangua-Brogoua, qui représente pour nous une vitrine. Donc ce qu'on peut faire, c'est de désengorger le boulevard et organiser les commerçants, permettre aux voitures de circuler librement sur la chaussée. Donc on fera du boulevard un rêve. Toujours selon le deuxième adjoint au maire, des sites de recasement sont prévus pour ces commerçants. Il les exhorte donc à les occuper. Plusieurs rencontres de sensibilisation avec les commerçants et toutes les forces vives de la commune ont eu lieu sur le sujet. Deuxième grand titre de cette édition, le département de Vavoie, appartenant à l'ex-zone centre-nord et ouest lors de la crise ivoirienne, a retrouvé aujourd'hui la normalité et l'autorité de l'État. L'administration fonctionne grâce au retour des fonctionnaires et agents de l'État, mais que de problèmes de structure pour accueillir ces agents. Tenez, par exemple, les préfectures et sous-préfectures et les logements de ces autorités préfectorales ont besoin d'une réhabilitation en profondeur, nous dit Eugène. À tout bien regarder. Le drapeau de Côte d'Ivoire flottant fièrement sur un mât au milieu d'une immense cour. Nous sommes à Vavoie. Bienvenue dans l'enceinte de la préfecture.
Ici, un ancien magasin a été aménagé pour y loger le bureau du préfet et celui des autres personnels de la préfecture. Le bâtiment originel a été détruit à la faveur de la crise post-électorale. La bêtise humaine a étalé son manteau jusqu'à la résidence du sous-préfet. Ce qui reste du saccage offre l'image d'un bâtiment désaffecté et comble de cette bêtise l'incendie des bureaux de la sous-préfecture. Malgré la relocalisation des bureaux et services, il est toujours difficile de travailler faute de mobilier et équipement, avec certains matériels de travail encore sommaires. On a un problème de bâtiment. Nous sommes entassés dans des bureaux, le sous-préfet même confondu aux autres agents. Les régies sont couchées par terre, poussiéreux, parce qu'on ne sait nulle part où il faut les disposer. Je souhaiterais que les structures qui sont commises pour pouvoir réhabiliter les bâtiments des autorités de Vavois, le fasse le plus rapidement possible, parce que non seulement on n'a pas de véhicule pour travailler, ça c'est autre chose, mais n'ayant pas de bâtiment pour pouvoir travailler, ça serait quand même assez difficile. Des réalités découvertes par le nouveau sous-préfet de Vavois qui arrive à la tête de cette circonscription administrative dans un contexte de restauration du pouvoir de l'État et de recherche de la cohésion intercommunautaire. Kone Vakaba a rappelé au cours d'une rencontre avec la population l'intérêt et la nécessité d'aller à la réconciliation et cultiver la paix. Il veut compter sur la chefferie traditionnelle, laquelle a été appelée à prendre ses responsabilités et avoir une plus grande conscience de ses rôles et missions. Avant d'envoyer une affaire chez le sous-préfet, c'est que cette affaire a dépassé la compétence du chef. Mais un chef de village qui, pour un oui, pour un non, envoie tout sa problème chez le sous-préfet, c'est ce chef de village, il est incompétent. C'est qu'il est incompétent. Vavois est un vaste département où la sous-préfecture centrale compte 52 villages. Dans cette partie de la Côte d'Ivoire, les problèmes de développement sont énormes. L'accès à l'eau potable, l'électrification des villages et la réhabilitation des routes restent une préoccupation majeure. Autre information, la mairie de Boaké a offert du matériel médical au centre de santé Sainte-Marie du Monastère. C'est toujours à Boaké. La mairie de Boaké veut ainsi contribuer à l'amélioration des soins dans ce centre de santé. Kader Sogodogo, RTI Boaké. Des lits d'hospitalisation, des fauteuils roulants, des béquilles sont entre autres matériels sanitaires offerts au centre de santé Sainte-Marie du monastère de Boaké. Un don de la mairie de Boaké soutenu dans cet élan humanitaire par la ville allemande de Reutlingen, une ville avec laquelle Boaké est jumelée. Par cet acte de générosité, la municipalité entend appuyer les structures de la commune qui œuvre pour le bien-être social des populations. J'ai vu que le centre avait besoin d'équipement. On va les doter d'une machine à laver. Et surtout, il y a le reprofilage de la route, parce qu'il faut que les malades puissent parvenir au centre médical dans de bonnes conditions. Les bénéficiaires apprécient au mieux l'action de la municipalité. À la population des villages environnants, nous voulons leur dire que ce centre est ouvert pour eux. Nous allons nous atteler avec nos amis de l'association en France, car il y a aussi une association en France qui nous aide à terminer la maternité afin que ce ne soit plus un souci pour eux, pour qu'ils puissent accoucher près de leur village. Une visite guidée des lieux a permis au maire Dubo Nicolas et à sa délégation d'apprécier le centre de santé. Un centre de santé construit sur une superficie de 5 hectares, ouvert au public depuis novembre 2013. L'Agence nationale de salubrité urbaine ANASU vient d'organiser un atelier pour se doter d'un plan d'action 2014-2016 qui intègre les préoccupations de l'ensemble des acteurs de la filière de gestion des déchets solides. Mikanga, pour plus de détails. Élaborer un plan d'action 2014-2016 qui intègre les préoccupations de l'ensemble des acteurs de la filière de gestion des déchets solides. Objectif visé par l'ANASU, l'agence de régulation de la filière des déchets en Côte d'Ivoire. Cet atelier a abouti donc à une série de recommandations. Et dans ces recommandations, donc, nous allons voir ce qui peut être mis en place très rapidement, celle de renforcer les effectifs de la brigade de la salubrité urbaine,
qui, comme on le sait, lutte contre les nuisances sonores, les occupations illicites du domaine public. Nous avons également la création de décharges contrôlées à l'intérieur du pays. Le secteur des déchets peut représenter plus de 11% du PIB et employer 9% de la population active, tout en procurant 8% des recettes d'exportation selon les études. Un outil de lutte contre le chômage des jeunes et des femmes. Nous aurons des emplois dans les divers domaines. Si vous prenez par exemple le cas de la création de décharges contrôlées, donc forcément ça va faire appel à des ingénieurs qui vont devoir donc réfléchir à la question des impacts environnementaux. Ensuite, ce type de projet va faire appel aussi à l'utilisation d'une main d'œuvre pour la construction même des décharges. Au sortir de cet atelier, les acteurs devront être sensibilisés à la nouvelle stratégie de la Nature et les participants à la problématique de création d'emplois durables dans la filière de la gestion des déchets solides ménagers et assimilés en Côte d'Ivoire. Et parlons maintenant de cette campagne d'information et de sensibilisation sur les dangers que constituent les feux de brousse dans les régions du Gbeke et du Hambol. Des feux mal maîtrisés qui ravagent tout sur le passage. Les populations sont invitées à la vigilance et l'initiative est de la Direction régionale des forêts des régions du Gbeke et du Hambol. Kwadio Kwame, RT Bouaké. La Direction régionale des eaux et forêts de Bouaké en campagne de lutte contre les feux de brousse. Elle a donc installé 3 comités villageois à Loubonou, Touro et à Foroforo contre les feux mal maîtrisés qui constituent une menace pour la forêt et un danger pour l'homme. Cette mesure préventive vise à limiter les dégâts causés par les feux de brousse les années précédentes. Des statistiques pas du tout réluisantes et l'homme est toujours à la base de ses actes à proscrire. Les dégâts causés par les feux de brousse au plan national sont énormes. Environ 120 décès, 350 maisons détruites, 145 000 hectares de cultures pérennes ravagées, 8 000 hectares de reboisement détruits, 70 000 hectares de forêts classées dévastées, 320 000 hectares de domaines ruraux ravagés. Au plan local, dans les régions de Gbeke et du Hambol, dont j'ai la charge, annuellement, les pertes par les feux de brousse sont estimées à plus de 500 hectares de plantations d'anacardes, 600 hectares de cultures vivrières, 300 hectares de plantations forestières. À cela, il faut ajouter les écoles primaires, des habitations calcinées avec environ 10 cas de décès. Les autorités présentes à cette cérémonie ont indiqué que les feux de brousse ne sont pas une fatalité, mais une imprudence des hommes. C'est pourquoi elles ont appelé la population ivoirienne à un changement de mentalité et de comportement pour préserver des biens, des vies humaines et notre patrimoine naturel pour les futures générations. La gendarmerie de Fresco a saisi 3 tonnes de cerises de café, dont 5 cas en partance pour le Burkina Faso. Ces 3 tonnes de cerises de café étaient dissimulées dans les bagages des passagers. Autre aspect de l'actualité ivoirienne, des prises en charge scolaires d'un montant global de 70 millions de francs CFA ont été offertes aux élèves et étudiants de Yamoussoukro. Objectif de ce don, soutenir les parents d'élèves et étudiants les plus démunis du district de Yamoussoukro. Brahima Doumbia, RTI Bouaké. Plusieurs jeunes mettent fin à leur cursus scolaire faute de moyens financiers. Pour pallier ce problème, le district autonome de Yamoussoukro a apporté son appui à 1100 élèves et étudiants en leur octroyant des bons de prise en charge scolaire et universitaire d'une valeur de 70 millions de francs CFA. Le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Dr Augustin Thiam, a demandé aux élèves et étudiants de se mettre au travail et d'abandonner le goût de la facilité. S'adressant aux parents d'élèves et au personnel d'encadrement, le gouverneur Thiam leur a demandé d'encadrer les élèves afin que ceux-ci relèvent les défis du développement de la Côte d'Ivoire. La plus grande gratitude dont peut faire un enfant vis-à-vis de son père ou de sa mère, c'est de réussir dans ses études. Les parents se sacrifient pour que nous réussissions. Je demande aux enfants de respecter leur maître, de respecter leur éducateur, de respecter les établissements dans lesquels ils travaillent. Élèves, étudiants, parents et enseignants ont tous loué l'initiative du gouverneur de Yamoussoukro et ont promis de faire de la Cité des Lacs
un pôle d'excellence dans le domaine de l'éducation nationale. Dans les tout prochains jours, des meubles de bureau, des fournitures scolaires et des tables-bancs seront remis aux établissements par le gouverneur pour améliorer les conditions de travail et accroître les résultats scolaires dans le district de Yamoussoukro. Bouaké a abrité les premières assises nationales de la mutuelle des enseignants du privé de Côte d'Ivoire, MEPSI. Cette mutuelle qui revendique plus de 20 000 membres veut trouver des solutions durables pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants du privé de Côte d'Ivoire. Et on reste avec Brahima Doumbia de RT Bouaké. L'enseignement privé représente aujourd'hui plus de 70% du système éducatif ivoirien, au dire de la mutuelle des enseignants du privé de Côte d'Ivoire, MEPSI. Malheureusement, les conditions de vie et de travail des enseignants du privé ne font que se dégrader chaque jour davantage. On pourrait dire dans l'année 6 mois, après mai déjà, il n'y a plus de salaire, parce que les fondateurs ont des difficultés compte tenu des subventions qui ne tombent pas. Il n'y a pas de test qui régit d'abord la rémunération des enseignants. Les enseignants sont à la merci des fondateurs. Mais là, il y a des enseignants qui vont jusqu'à aller après maladie, ne peut pas se prendre en charge. C'est à ces préoccupations que la mutuelle des enseignants du privé de Côte d'Ivoire, MEPSI, qui revendique plus de 20 000 membres, s'attelle à trouver des solutions durables en organisant ses premières assises nationales avec plus de 50 délégués à Bouaké sous le parrainage du colonel-major Issa Koulibaly, directeur général des douanes. Personne ne peut faire le bonheur de nous mettre à notre place. Il faut que nous-mêmes, on prenne les choses en main et qu'on commence à trouver des solutions pour avancer. Nous avons jugé utile et opportun d'ouvrir un peu la mutuelle à tous nos frères et sœurs de l'intérieur et prendre en compte leurs idées. Et cela passe par effectivement des assises. Différents ateliers sont organisés pour le toilettage des textes et pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants du privé. Les doléances sont nombreuses, notamment le problème de l'harmonisation des salaires, l'absence d'une politique de logements sociaux, les besoins d'une couverture médicale et sociale pour les enseignants du privé. Les clubs services Lion soutiennent les élèves d'Afalikro, département d'Abangourou, c'est dans l'est de la Côte d'Ivoire. Ils leur ont offert des tables-bancs et des lunettes pharmaceutiques à ceux des enfants qui ont des troubles de vue. Et Jeanne Atoubé. Après dépistage, certains enfants des écoles primaires 1 et 2 d'Afalikro dans le département d'Abangourou ont été déclarés atteints de troubles oculaires. Le club Lyon, auteur de cette action, y sont revenus 3 mois plus tard, leur apporter des lunettes pharmaceutiques. Ce sont au total 25 enfants qui ont reçu leur verre correcteur. Dans le même élan d'humanisme, le club Lyon Abidjan Sterlitz, Abidjan Horizon, Abidjan Prestige et le Lions Club d'Abengourou Indénié ont fait 40 tables-bancs pour les enfants de l'école primaire d'Afalikro. Ces enfants à qui les Lions souhaitent d'être des leaders de demain ont en retour exprimé leur volonté de réussir. La notabilité d'Afalikro a plaidé pour la construction de la clôture de l'école primaire et l'augmentation de sa capacité en tables-bancs. Dans une classe, l'on compte en moyenne 70 élèves. Les clubs Lyon ne sont pas à leur première action dans le village d'Afalikro. Grâce à eux, l'école de ce village avait bénéficié 3 mois plus tôt de kits scolaires. Dans le cadre de son programme d'aide à la population, le conseil régional des Grands Ponts a remis des machines à broyer d'une valeur de 19 millions de francs CFA aux populations de Dabou, de Jacquesville et de Grand-Lao. Patricia Omouetia nous en parle. 12 broyeuses, c'est le don offert par le conseil régional des Grands Ponts aux populations de Dabou, de Jacquesville et de Grand-Lao. Il s'agit pour le conseil régional de résoudre le déficit en matière d'autosuffisance alimentaire. Nous entendons avec les organismes d'État appropriés, de recherche scientifique, travailler afin de relancer le plan manioc dans les Grands Ponts avec le programme des Nations Unies pour le développement. Le problème de l'autosuffisance alimentaire, le problème de la filière manioc, c'est essentiellement nos sœurs, nos femmes, nos mères dans les villages qui vivent ce problème. Nous avons toujours dit que nous allions nous appesantir sur le problème des femmes en la matière.
Le président du conseil régional invite les bénéficiaires à en faire bon usage. Un message bien perçu par les populations, des pas de danse donc, pour exprimer leur reconnaissance au président du conseil régional. Depuis que nous sommes à Dabou, nous n'avons jamais bénéficié. C'est aujourd'hui que nous venons de recevoir ces machines-là. Ça nous va droit au cœur. Que le conseil ne s'inquiète pas, parce qu'on va bien s'occuper de la débrouille. C'est à 3 km, donc ils peuvent à tout moment nous faire la surprise et ils verront qu'on utilise la machine correctement. D'une valeur de plus de 19 millions de francs CFA, les broyeuses multifonctions et polyvalentes sont, selon Gabriel Haye, le début des actes concrets du Conseil régional. Notons que déjà, dans la matinée, le Conseil s'était réuni en session extraordinaire, la première de l'année 2014. Le conseil régional de Boisfli fait le point de ses actions entreprises en 2013 et les perspectives pour les années à venir. Et c'était en présence des différentes couches sociales de la région. Thérèse Tapeyoboué. Début des travaux du siège du conseil, dotation en équipement des foyers féminins, des centres de santé, commande de tables bancs pour certaines écoles de la région et enfin lancement des travaux de réfection du stade municipal. Ce sont là quelques actions menées en 2013 par le conseil régional de Boisfli en direction des populations. Abi Kofi Richard annonce pour 2014 la reprise des activités de collecte des taxes sur les marchés et autres espaces marchands du territoire régional. Selon le président du conseil régional de Boisfli, l'espoir d'une prospérité de la région de la Maraoué ne peut être réalisable sans l'entente, la cohésion sociale et une réconciliation entre les fils et filles de la région. Il invite donc les populations à unir leurs intelligences et à fédérer leurs énergies pour une Maraoué émergente. Les populations, pour leur part, ont fait savoir leurs préoccupations. Il s'agit entre autres de la construction de maternités, de centres de santé, la réhabilitation des pistes et des pompes villageoises, la mise à disposition de matériel de travail en vue de la collecte efficiente des taxes régionales, et le renforcement de l'autorité des chefs traditionnels dans les villages. La mairie de Dieuné veut aussi répondre aux besoins de ses populations. Les rues vont être réhabilitées et les recettes informatisées les jours à venir, bien sûr, pour satisfaire ces populations. Thérèse Tapeyoboué. Les mesures annoncées par Nassene Mabdouré, maire de Dieuné, consistent au pavement des rues, ce qui va réduire la poussière dans la ville et permettre au conseil municipal d'économiser en reprofilage, l'informatisation des recettes municipales et l'union des communes du Kabadougou. Nous allons procéder à un recensement. Alors le recensement, on va le faire sur un mois. Après observation, après étude faite par l'équipe actuelle, on s'est rendu compte que même les 1,3 million, 1,5 million qu'on fait, avec plus de vigilance, avec plus de performance en utilisant les moyens de technologie qui vont nous permettre, avec bien entendu notre volonté, nous pouvons quadrupler ces recettes. Une fois cela fait, la mairie pourra booster ses recettes qui sont actuellement d'environ 300 000 francs CFA avec près d'une dizaine de collecteurs. Autre mesure annoncée, la construction de centres de santé, d'écoles. Elle compte aussi initier des projets générateurs de revenus afin de permettre aux femmes d'être indépendantes. Notons que le conseil municipal a adopté son budget qui s'élève à 288 millions de francs CFA. Les populations de Gagoré dans le département de Lakota ont décidé d'œuvrer pour le développement de leur localité. Elles promettent de soutenir toutes les actions de développement qui vont être menées dans leur sous-préfecture. Kwasi Mamadou. Composée de 13 villages et de 14 campements, la sous-préfecture de Gagoré est située dans le département de Lakota. Pour permettre à la population estimée à 22 000 habitants de rompre avec la pauvreté, les cadres de cette localité ont décidé de fédérer leurs efforts pour amorcer l'émergence de la sous-préfecture. Nous devons nous investir dans un processus de développement communautaire au niveau de la route, car la route précède le développement. Que dit de l'hydraulique villageoise? Souvent les puits sont en panne, et quand les puits sont en panne, on a oublié de retourner au marigot. La meilleure des choses qu'on puisse faire, c'est d'obtenir vraiment un château d'eau
avec l'hydraulique améliorée à Gagoré. Le président du conseil régional du Loguibois adhère à cette dynamique de construction de Gagoré. Il est question pour nous de penser au développement de notre région. Et c'est de cela, et de cela seulement, qu'il s'agit. Alors je vous demande pardon. Pardon. La guerre, celle que nous devons mener, c'est la guerre contre la pauvreté, contre la misère. Érigé en sous-préfecture en septembre 2010, le développement de Gagoré connaîtra un coup d'accélérateur avec cette prise de conscience des cadres. Mais surtout avec l'arrivée de tout nouveau sous-préfet Yapi Yapi, la population a mis à sa disposition un immeuble servant de résidence et de bureau. Le conseil régional de Gbeke avait soutenu les producteurs de tomates et de manioc de la localité de Djebonoa, qui est la première zone de production de tomates en Côte d'Ivoire avec plus de 2000 tonnes par mois et qui produit également 2000 tonnes de manioc par an. Des productions que le conseil régional de Gbeke veut améliorer au profit des populations. Bakker, RTI Boaké. La localité de Djebonoa produit plus de 2400 tonnes de tomates par mois. Une production qui a valu aux jeunes de cette localité d'être les premiers producteurs de tomates en Côte d'Ivoire en 2013. Cependant, ces jeunes sont confrontés aux problèmes de manque d'eau, notamment en contre-saison. Une situation qui les empêche de produire et même produire davantage. Les femmes de cette même localité, qui produisaient 100 tonnes de manioc par an, sont passées à 2000 tonnes. Mais là aussi, on constate une inorganisation qui ralentit leurs activités. Ces organisations agricoles de femmes et de jeunes, regroupées au sein de l'association Yebo Yeku, veulent trouver des solutions à leurs préoccupations pour améliorer leur production de tomates et de manioc. Il s'agit essentiellement pour ces personnes d'être formées, d'être dotées en matériel, si possible moderne. Au cours d'une rencontre, les différents intervenants ont salué l'abnégation et la volonté de ces jeunes et de ces femmes du milieu rural d'assurer leur autonomie. Ils ont également déploré le manque de moyens pour appuyer leurs efforts. Le président du conseil régional de Gbeke, Jean Kwasi Abonoa, a rassuré ses producteurs. Il a promis son soutien en vue de faire de la région de Gbeke le grenier du pays. Nous, en tant que conseil régional, il nous appartient d'appuyer ce genre de projet, de répondre à leurs préoccupations. Et moi, mon ambition, c'est de faire en sorte que ce qui s'est fait à Djebonoa, on puisse exporter cette expérience-là dans tout le Gbeke. Occasion pour ces organisations agricoles de Djebonoa d'affirmer leur volonté de fédérer leurs énergies pour être plus compétitives sur le marché national et international. À Djebonoa, l'agriculture est la principale activité de la population, une activité qui contribue au développement de la localité. Hors de la Côte d'Ivoire, la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Ben Souda, a décidé hier vendredi d'ouvrir un examen préliminaire sur des crimes commis en Centrafrique depuis septembre 2012, date de la création de la CELEC. Le premier procès en France d'un Rwandais jugé pour son rôle présumé dans le génocide rwandais de 1994 s'est ouvert mardi à Paris. Pascal Sebenkangwa, 54 ans, paralytique depuis un accident en 1986, reconnaît le génocide des Tutsis du Rwanda. Quelques informations brèves dans le monde et nous allons nous rendre aux États-Unis d'Amérique, au Brésil, au Pakistan et en Ukraine. Le président ukrainien est à Sotchi. Viktor Yanukovych doit évoquer avec Vladimir Poutine la crise en Ukraine et la polémique sur les propos de la secrétaire d'État américaine adjointe pour l'Europe, avec laquelle il s'est entretenu jeudi à Kiev. Dans une bande-son non datée de 4 minutes, mise en ligne sur YouTube, Victoria Nuland déclare que l'Union européenne aille se faire foutre. Le département d'État américain a accusé la Russie, qui s'oppose à son pays et à l'Europe sur le dossier ukrainien, d'avoir relayé sur Twitter cette conversation privée. Les méthodes de la Russie sont tombées bien bas, a ajouté la porte-parole. Au Pakistan, début jeudi, des pourparlers entre le gouvernement et les talibans. Les discussions visent à mettre fin à 7 années d'insurrection islamiste armée. Il s'agissait de la première rencontre entre les deux parties depuis que le Premier ministre a décidé la semaine dernière de donner une autre chance à la paix. Les talibans du TTP sont à l'origine de centaines d'attentats meurtriers depuis 2007. Ils militent pour l'instauration de la charia, la loi islamique, dans ce pays musulman.
À quelques mois du mondial de football, les Carioca protestent contre la hausse de plus de 9% du prix du ticket de bus. Des incidents ont éclaté jeudi quand les policiers ont évacué la grande gare de Rio, envahie par un millier de manifestants. En juin dernier, des rassemblements durement réprimés contre l'augmentation du prix des transports publics à Sao Paulo et Rio avaient servi de détonateur à une fronde sociale historique au Brésil pour dénoncer la précarité des services publics, la corruption et les milliards investis dans la construction des stades du Mondial. Une statue qui dérange, la sculpture en silicone de Tony Matelli, baptisée le Somnambule, installée dans le cadre d'une exposition aux abords d'une université américaine près de Boston, a choqué plusieurs centaines d'étudiantes qui ont réclamé son retrait. L'homme en slip générerait un sentiment d'appréhension, de stress inutile, voire d'agression sexuelle. Paris réussi en tout cas pour la directrice du musée, qui a déclaré vouloir brouiller les lignes entre l'art et la vie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1. À demain à 10h et 13h.